l'automne 1885, l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, plus connu pour ses histoires de pirates et ses poèmes pour enfants, fait un vrai cauchemar d'adulte. J'éprouvais les tourments les plus affreux, le craquement des os. Il y avait dans mes sensations un je ne sais quoi d'étrange. Je me sentis dès le premier souffle de ma vie nouvelle plus méchant, 10 fois plus méchant. Et à ce moment-là, je vis pour la première fois apparaître Edward Hyde. Quoi ? Man is not truly one, but two. Now, supposing we could break that chain, separate those two selves. Free the good in man and let it go on to its higher destiny. And segregate the bad. Let it destroy itself in its own degradation. En janvier 1886, une histoire redéfinit l'horreur. Au lieu de diables et de démons extérieurs, elle parle de diables et de démons intérieurs et introduit une nouvelle expression dans notre langage. Did you think that Dr. Jekyll was falling in love with you? You with your cheap little dreams? Or did you think as you looked at him that perhaps in his eyes you saw a bit of me, Hyde? Le cas étrange du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde rendit célèbre l'écrivain Robert Louis Stevenson, alors âgé de 35 ans. Et Stevenson insista toujours pour que son nom soit prononcé Jekyll, d'une part parce que c'est la prononciation écossaise, d'autre part parce que Hyde et Jekyll rimaient avec Hyde and Sick, le jeu de cache-cache. Mais l'histoire va plus loin que le simple petit roman à sensation. En fait, elle met en scène les conflits et les tensions de Stevenson, tiraillés entre sa vie publique et sa vie privée, entre la réalité et les rêves, entre le conformisme et l'art, et même entre les étroits passages sinueux de la vieille ville d'Édimbourg et les immenses espaces ouverts de la partie géorgienne. Et sans doute surtout, entre l'adulte et l'enfant. Car le cas étrange du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde est né des cauchemars que Robert Louis Stevenson faisait dans sa sombre enfance. La nuit, dans le théâtre silencieux de son esprit, il se détache du monde et tisse autour de l'armoire de sa chambre des rêves de romance et d'aventure, ainsi que des cauchemars de damnation. Ses rêves lui permettront d'écrire de célèbres histoires, comme l'île au trésor et son pirate unijambiste. Des récits de jours radieux et parfois de nuits sombres. C'était une enfance sans joie, racontera-t-il plus tard, peuplée de craintes, d'insomnie, de journées douloureuses et de nuits interminables. C'est ici, dans cette rangée de maisons de Heriot Row, au cœur de la partie géorgienne d'Édimbourg, que Robert Louis Balfour Stevenson grandit. Son père vient d'une famille d'ingénieurs qui a construit la plupart des phares qui bordent les dangereuses côtes écossaises. Sa mère, quant à elle, vient d'une famille d'avocats et de pasteurs. Enfant unique, Louis est donc élevé selon les règles austères en vigueur au sein des professions libérales d'Édimbourg. En pleine période victorienne, le mot « respectable » est alors l'éloge suprême. Louis est un enfant chétif, qui a des difficultés respiratoires, qui semble sous-alimenté, hyper nerveux et qui attrape tous les virus dans l'air. Il passe donc presque toute son enfance dans sa chambre, au 17 Heriot Row. Il souffre sans doute également de troubles thyroïdiens, ce qui expliquerait sa structure osseuse, différente de celle de ses parents.
cette époque, sa mère Margaret est invalide. Elle a les poumons fragiles et souffre d'hypertension. Son père, Thomas, est souvent en voyage d'affaires en tant que conseiller pour la construction des phares. L'amie la plus proche de Louis est donc sa nourrice, une fille de pêcheur, chrétienne fondamentaliste, du nom de Alison Cunningham, ou Cummy. Cummy lui raconte de nombreuses histoires d'enfer, de damnation. Elle lui lit sans cesse la Bible, dans l'espoir de le persuader qu'il n'existe que deux camps, ceux qui passent leur temps à genoux à chanter des hymnes, et ceux qui, sur les grands chemins, se dirigent vers la potence ou les puissants fonds. Dans la journée, il ne dit jamais rien sans rajouter « si Dieu me prête vie ». La nuit, quand Cummy est couché, il reste éveillé à pleurer Jésus et craint de fermer les yeux de peur de se retrouver en enfer. Quand il finit par les fermer, il fait inévitablement des cauchemars qui le marqueront à vie. Dans certains les plus troublants, l'idée du péché est, dit-il, curieusement fascinante. Son livre, « Jardin de poèmes d'enfance », dédié à sa seconde mère, sa première femme, autrement dit Alison Cunningham, la nourrice, nous donne une idée de l'état d'esprit de Louis allongé dans ce lit. Noir comme le jet, autour de la demeure, la nuit nous dévisage au carreau des verrières, rampe dans tous les coins, évitant la lumière, se love à la flamme qui meurt. À présent, mon petit cœur bat comme un tambour, je sens dans mes cheveux souffler croque-mitaine. Aux lueurs des bougies, des ombres incertaines montent les marches tour à tour. Ombre du luminaire, ombre des escaliers, ombre de cet enfant qui monte se coucher, toutes sont des ombres malignes. Din, 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 lueur noire qui s'achemine. L'Édimbourg de Robert Louis Stevenson est une ville au contraste saisissant. La partie géorgienne est claire et lumineuse, soigneusement organisée, avec ses larges avenues, ses places et ses rues en arc de cercle. Première ville nouvelle de Grande-Bretagne, elle ressemble à une élégante agglomération européenne. Derrière les collines du château, c'est la ville médiévale. Sinistre, sombre et dangereuse, avec ses étroits passages et ses hauts immeubles. Marcher dans les vieilles rues de la ville, écrit Stevenson, c'est comme regarder une épave humaine qui tombe et qui meurt. Louis est de plus en plus agacé par les valeurs presbytériennes étouffantes de ses parents. Et il est attiré par la vieille ville et son monde souterrain. « J'adore la nuit dans la ville », écrit-il, « les rues illuminées et l'allure aguichante des prostituées. » Toute la ville d'Édimbourg, ajoute-t-il, mène une double existence. Vous vous souvenez de l'armoire dans la chambre de Louis ? Elle avait été fabriquée par le légendaire Deacon Brodie, ébéniste le jour et cambrioleur la nuit. Brodie fut pendu en 1788 sur une potence en bois qu'il avait lui-même construite. L'idée que derrière le regard d'un homme gît une noirceur intérieure commence à germer dans l'esprit de Stevenson. Jeune étudiant à l'université d'Édimbourg, Robert Louis Stevenson se retrouve avec ses amis dans ce pub, le Rutherford Arms, rue Drummond. Il écrit que les prostituées sont beaucoup plus honnêtes que la plupart de leurs clients et commence à avoir de sérieuses altercations avec son père à propos de religion. Il prend de plus en plus de distance avec la haute société d'Édimbourg. Quand il devient étudiant en ingénierie à l'université, il mène, semble-t-il, sa propre double vie.
As men of science, we should be curious. I shall not dwell today on the secrets of the human body, in sickness and in health. Today, I want to talk to you of a greater marvel, the soul of man. Man is not truly one, but truly two. These two carry on an eternal struggle in the nature of man. Yet they are chained together. And that chain spells repression to the evil, remorse to the good. Now, if these two selves could be separated from each other, how much freer the good in us would be, what heights it might scale. And the so-called evil, once liberated, would fulfill itself and trouble us no more. Alors qu'il étudie ici, Robert Louis Stevenson fait régulièrement le même rêve. Dans ce rêve, il travaille le jour dans un bloc opératoire, le cœur battant à 100 à l'heure, les nerfs à vif, entouré de malformations monstrueuses. Et la nuit, il monte un escalier circulaire infini, quelque part dans la vieille ville, et regarde un défilé de clochards souffreteux qu'il croise dans l'escalier. Quand il arrive tout en haut, il fait jour et il se retrouve à nouveau dans le bloc opératoire. Il fait si souvent ce rêve qu'il va consulter un médecin qui lui prescrit des calmants. Le rêve semble lié à l'ambition qu'on a placée en lui, l'escalier en spirale, à son sentiment de culpabilité d'être un privilégié, les clochards, et à tous ces horribles corps difformes qui lui font peut-être penser un peu à son propre corps. Il décrit également l'atmosphère de l'université de médecine qui commence à l'obséder. On sait qu'il passe beaucoup de temps avec ses amis étudiants en médecine. Mais alors qu'il affûte son talent d'écrivain, il est également attiré par les légendes d'Édimbourg, et en particulier les faits divers horribles des quartiers louches qui, selon lui, possèdent le véritable caractère romantique des légendes, comme l'histoire de William Burke et William Hare. Vers la fin des années 1820, Burke et Hare fournissaient des cadavres pour les cours d'anatomie du docteur Robert Knox. Et contrairement aux autres, qui violaient des tombes et étaient surnommés les résurrectionnistes, Burke et Hare gagnaient du temps en étouffant leurs victimes. Ils fournissaient ainsi les cadavres les plus frais de la profession. Quand Burke fut pendu en 1829, son cadavre fut publiquement disséqué par le professeur d'anatomie de l'université. Son squelette fut offert à la collection permanente, tout comme son masque mortuaire. Et voici le masque mortuaire de William Burke, sur lequel on voit les marques de la corde qui l'a tué. Et près de lui, le masque de William Hare, vivant. Ce dernier avait livré son ami, témoigné contre lui, et n'avait pas été condamné. Mais la collection permanente de l'université possédait pourtant quelque chose d'encore plus étrange. Un livre de poche relié avec la peau même de William Burke. Apparemment, après l'incident, les fragments de Burke devinrent l'accessoire de mode indispensable dans le milieu médical. Étrange réminiscence de l'époque des résurrectionnistes. Stevenson se sent proche des quartiers louches de la ville. Quand il devient enfin écrivain professionnel, il adapte la légende de Burke et Hare dans la nouvelle « Le voleur de cadavres ». Mais dans son histoire, le véritable voleur est le professeur d'anatomie, le docteur Knox. Robert Knox, respectable médecin le jour et revendeur de cadavres la nuit. Précurseur de Jekyll et Hyde. La politique du docteur K consistait à ne poser aucune question dans ses relations avec les commerçants. Ils apportent le corps et nous payons le prix, avait-il coutume de dire. Pour des corps qui avaient été mis en terre, dans la joyeuse attente d'un réveil tout différent, venait cette résurrection de la bêche et de la pioche, hâtive, à la lueur d'une lanterne, hantée par la terreur. Le cercueil était forcé, le linceul déchiré, et les tristes reliques habillées de toile à sac, après avoir été traînées pendant des heures par des sentiers sans lune, étaient finalement exposées aux pires indignités devant toute une classe de garçons bouche bée.
Now you must watch closely, gentlemen, closely. It's the very heart of the matter. En 1873, Robert Louis Stevenson quitte ce qu'il appelle la ville inclémente d'Édimbourg et son désir obsessionnel de respectabilité. Les bourgeois seront sérieusement irrités par certaines choses qu'il écrira par la suite au sujet de la ville. Pendant 10 ans, il voyage et écrit des guides sur ses pérégrinations en France, en Angleterre et aux États-Unis. Ses périples lui sont, semble-t-il, salutaires. Finalement, en 1884, ses médecins lui conseillent de s'installer au bord de la mer, à Bournemouth, curieux endroit pour écrire Jekyll et Hyde. Les hôtels y sont nombreux, et la construction d'une liaison de chemin de fer a récemment multiplié la population par 10, passée à 17 000 habitants. De plus, la jetée vient juste d'ouvrir. Les principales attractions sont l'air marin, le front de mer, la plage, le parc et le parfum des ajoncs et de la bruyère. Le critique de l'époque dit « C'est devenu une colonie de curistes, la résidence des Invalides et des Philistins britanniques. C'est l'endroit de l'île le plus éloigné d'Édimbourg. » Quand Robert Louis Stevenson s'installe ici, il vient d'épouser une divorcée d'Indianapolis, de 11 ans son aînée, Fanny Van de Griff Osborne. C'est une femme forte, aux idées morales bien arrêtées, et qu'il appelle soi-disant mère. Ses parents et sa famille sont ravis, à tel point que le père de Louis, Thomas, leur achète comme cadeau de mariage une maison dans cette rue et donne 500 livres à Fanny pour la meubler. Il baptise cette villa moderne en briques jaunes à 2 étages, Skerryvore, du nom du phare le plus célèbre construit par l'oncle Alan Stevenson. Aujourd'hui, il ne reste plus que les fondations de cette maison, qui a été détruite par une bombe durant la Seconde Guerre mondiale, en novembre 1940. Louis et Fanny s'installent dans leur nouvelle vie en 1885, à Pâques. Mais la période de convalescence de Louis ne dure pas longtemps. Bournemouth ne convient pas à ses poumons. Quelquefois, ils sont si congestionnés qu'il peut à peine s'exprimer. Et les cauchemars ressurgissent. Robert Louis Stevenson est loin d'être le propriétaire ou même le convalescent typique de Bournemouth. Et en fait, pendant les 2 ans et demi qu'il passe ici, il ne se sent pas très à l'aise. Il dit « Je n'aime pas la vie de curiste et de propriétaire que je mène » et compare cette vie confortable et respectable à Skerryvore avec celle d'un charançon dans un biscuit. Il n'a jamais été aussi malade que dans cette maison. Hémorragie, congestion pulmonaire, maux de dos, grippe et fièvre. Un voisin, Clive Holland, lui rend alors visite alors que Stevenson est très souffrant et raconte plus tard ses souvenirs à la BBC. J'y suis allé un après-midi et on m'a fait entrer dans une petite pièce. J'attendais tranquillement quand j'ai entendu du bruit. J'ai regardé par la porte et j'ai vu Madame Stevenson qui descendait en portant son mari dans ses bras, comme elle aurait porté un bébé. Les cheveux noirs de Robert Louis tombaient sur les bras de sa femme. Elle l'a installé dans la petite pièce, sur le sofa. Et j'ai cru percevoir chez lui une légère ombre de rébellion dans son sourire. Ensuite, elle a dit « Tu ne dois pas parler trop longtemps. » Et elle est sortie. «
Stevenson est alors si malade que Fanny devient son infirmière, le protège des visiteurs, des célébrités et des chasseurs d'autographes, et même des illustres artistes de l'époque qui viennent voir l'auteur du roman à succès, L'île au trésor. Il le comble de cadeaux qui transforme sa villa de province en une galerie d'art surchargée. Les visiteurs à Skerryvore, comme Clive Holland, ou même des fans ou des critiques de Londres, pénétraient dans un vestibule lambrissé de boiseries, certaines peintes par des amis artistes. Ce vestibule les menait à la salle à manger, avec ses tapisseries William Morris et ses chaises Sheraton du XVIIIe siècle. Ici, au-dessus de la cheminée, une gravure de William Turner représentait le phare de Bell Rock, un phare conçu par le grand-père de Stevenson. Et sur ce mur se trouvait un miroir offert par le romancier Henry James. De ce côté, plusieurs armes de flibustier étaient accrochées au mur, cadeau de fans de l'île au trésor. Un tableau de l'artiste américain John Singer Sargent montrait d'un côté Louis faisant les 100 pas, tirant sur sa moustache, vêtu d'une veste de velours. Et de l'autre côté, à l'arrière-plan, Fanny, bizarrement vêtue d'un sari indien, les pieds nus, était assise dans un grand fauteuil. Entre les deux personnages du tableau, comme l'a écrit Stevenson, il y a une porte ouverte qui laisse entrevoir mon superbe vestibule et mon célèbre escalier. En haut de cet escalier, juste au-dessus de ma tête, se trouvait la bibliothèque. Et là-bas, au deuxième étage, c'était la chambre de Louis, où il passait le plus clair de son temps. Il avait alors vue sur la mer. Les arbres n'étaient pas aussi hauts qu'aujourd'hui. Et il vivait entouré de flacons de médicaments. C'est dans cette chambre que Robert Louis Stevenson a écrit « Dr. Jekyll et Mr. Hyde » suite à un cauchemar au terme de 3 jours particulièrement pénibles d'hémorragie et de fièvre. Of hemorrhaging and fever. La mixture commença à foncer en couleur. Avec une effervescence notable, elle devint d'un pourpre violacé. Porta le verre à ses lèvres et but d'un trait. Un cri retentit. Il râla, tituba, se maintint debout, les yeux fixes et injectés, haletant, la bouche ouverte. Et tandis que je le considérais, je crus voir en lui un changement. Il me parut se dilater. Son visage devint brusquement noir et ses traits semblèrent se fondre et se modifier. Jusque-là, Stevenson s'était torturé l'esprit dans la recherche d'une intrigue sur l'hypocrisie et le dédoublement de la personnalité. En outre, il était très gravement malade. Le cauchemar qu'il fit alors montrait comment le docteur Jekyll avalait la poudre et se transformait en Mr. Hyde. Et comment, au fil du temps, cette transformation devenait involontaire et incontrôlée. Free! Free at last! Oh. La légende raconte qu'à son réveil, Stevenson se mit à écrire fébrilement. Mais que Fanny désapprouva le récit. Elle le trouvait trop lugubre et trop sordide. Alors, dans un accès de colère, il jeta son manuscrit au feu. «
L'histoire de l'écriture du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde est presque aussi célèbre que le récit en lui-même. En résumé, Louis fait un cauchemar, qui est suivi d'une période d'écriture frénétique, 30 000 mots en 3 jours. Fanny critique ensuite le premier brouillon, et Louis, dans un accès de colère, le jette au feu. Cette période est suivie d'une autre période d'activité frénétique, 6 jours pour achever le texte que nous connaissons aujourd'hui. C'est un exploit incroyable, et d'autant plus remarquable qu'il souffre à ce moment-là d'hémorragie pulmonaire. Enfin, ça, c'est la version officielle de l'histoire. En réalité, comme le prouvent ces documents de la Bibliothèque nationale écossaise, l'histoire ne s'est pas déroulée tout à fait comme cela. Les cauchemars ont eu lieu, c'est certain. Louis en a parlé quelques années après Dr. Jekyll, et certaines lettres de l'époque confirment également cette version. Tout d'abord, Fanny Stevenson, dans une lettre à une amie, exprime ses inquiétudes habituelles au sujet de la santé de Louis. Elle écrit qu'il travaille avec acharnement, mais elle craint que ce soit en pure perte, comme tout ce qu'il a fait récemment. Et elle ajoute, il fait d'horribles cauchemars et souffre de maux de tête. Une association entre les cauchemars et le travail acharné. Une autre lettre de son fils, Lloyd Osborne, est adressée à Margaret Stevenson, à Édimbourg. Il dit, Louis va mieux, même s'il est encore faible. Il écrit une terrible histoire qui lui serait venue à l'esprit pendant la nuit. C'est certainement l'histoire la plus fantomatique et la plus déplaisante que j'ai jamais entendue. Mais les premiers brouillons, les critiques de Fanny et le manuscrit brûlé n'apparaissent nulle part. Il faut attendre pour cela la biographie officielle et supervisée de très près par Fanny. Elle est écrite par le cousin de Louis, Graham Balfour, qui est également un ami de sa femme. C'est le premier livre qui mentionne le manuscrit brûlé, et cela 7 ans après la mort de Robert Louis Stevenson. Durant ses recherches, Balfour a bien sûr du mal à reconstituer ce qui s'est passé à Bournemouth au moment de l'écriture de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il écrit donc à Fanny et à Lloyd pour obtenir des renseignements. Voici une partie de la correspondance qu'il a reçue à l'époque. Fanny lui répond et parle pour la première fois du manuscrit brûlé. Elle écrit qu'elle a critiqué l'histoire et que Louis est remonté dans sa chambre, plutôt abattu. Ensuite, la sonnette a retenti. Elle ajoute, « Quand je suis entrée, Louis m'a tristement indiqué du doigt un tas de cendres dans le foyer de la cheminée. Il m'a dit que j'avais raison et qu'il avait détruit le manuscrit. J'ai failli m'évanouir. » Elle rajoute ensuite que Louis a écouté ses conseils pour la seconde version et a réécrit l'histoire selon son idée à elle et non pas sa propre idée. Balfour, bien entendu, répond à cette lettre en disant que c'est impossible, que Stevenson sait ce qu'il fait. Êtes-vous sûr qu'il a brûlé un premier brouillon? Et êtes-vous certaine qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Fanny et Lloyd répondent à nouveau. Cette lettre de Fanny ici confirme. Mon reproche, c'était que l'histoire passait à côté de l'allégorie. Autrement dit, Stevenson ne s'était pas rendu compte que l'histoire de Jekyll et Hyde était allégorique, et Fanny dut le lui dire, une leçon très utile, j'en suis sûr. Et il aurait donc brûlé le premier brouillon de colère parce qu'elle le lui avait dit. Quoi qu'il en soit, Balfour intègre la correspondance et les notes qu'il a reçues dans sa biographie officielle. Et voici la première version, publiée en 1901, de l'histoire du manuscrit brûlé. Je fis part de mes critiques à mon mari et quittai la pièce. Au bout d'un moment, sa sonnette retentit. À mon retour, je le trouvai assis dans son lit, pointant son index sur un tas de cendres. Il avait brûlé le brouillon tout entier. Comprenant que l'angle qu'il avait pris n'était pas le bon, il avait immédiatement détruit son manuscrit. C'est donc la version officielle. Mais ni Stevenson, ni personne n'a jamais mentionné cet incident au moment des faits. Et Stevenson parlait pourtant de tout. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait inventer de telles légendes? En fait, Fanny Stevenson était persuadée que les gens qui achetaient les livres de Louis voulaient le voir comme un écrivain sain, vaillant, un peu gamin. Non pas comme l'écrivain d'un indécent roman à sensation. Elle savait également qu'il avait un cœur noir qui pouvait tout gâcher.
Donc, elle se présentait publiquement comme l'ange gardien qui le protégeait de lui-même, pour le bien du public. Et quand la biographie officielle de Graham Balfour fut publiée, un ami intime de Louis déclara « On dirait qu'il n'était qu'une effigie en sucre d'orge. » Mais c'était trop tard, l'image allait rester. Rapidement, la famille de Fanny continua à en rajouter, embellissant toujours la légende et toujours à l'avantage de Fanny. Ce fut d'abord Lloyd Osborne, son fils, et son portrait intime de Robert Louis Stevenson. Ensuite, sa sœur, Nelly Sanchez, et son livre intitulé « La vie de Madame Robert Louis Stevenson », suivi de sa fille Isobel Field, avec souvenir de Robert Louis Stevenson. Plus tard, Fanny elle-même écrivit l'introduction des œuvres complètes de Stevenson, racontant l'histoire du manuscrit brûlé. Puis un voisin de Bournemouth publia un livre intitulé « RLS et son sine qua non », le sine qua non étant bien entendu Fanny. Et enfin, « Je me souviens de Robert Louis Stevenson », qui regroupait les souvenirs de tout le monde, y compris ceux du livreur de lait. Ils étaient tous d'accord pour dire que Dr. Jekyll et Mr. Hyde étaient une aberration, le produit d'un cerveau dérangé, une tache dans le paysage autrement heureux de Stevenson. Enfin, la conclusion de tout ceci semblait être qu'il aurait mieux valu que cette histoire ne soit jamais publiée. Mais le livre sort en janvier 1886. Les critiques à la mode annoncent immédiatement que c'est plus un conte moral qu'une histoire d'horreur, et qu'on peut donc le lire. Du coup, l'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde se vend à 40 000 exemplaires en 9 mois, en Grande-Bretagne seulement. C'est un livre respectable, qui traite du bien et du mal. Et on s'en sert pour faire des sermons dans tout le pays. Mais quand Richard Mansfield, un acteur et directeur de théâtre américain, présente son adaptation au théâtre du Lycéum à l'automne 1888, le livre perd un peu en respectabilité. La pièce ne semble pas avoir survécu, mais on peut s'en faire une idée grâce au souvenir de l'acteur Richard Mansfield. Dans la version de Mansfield, le Dr. Jekyll hérite d'une petite amie, Agnès, et Mr. Hyde d'un motif, celui de la tuer. En fait, il parvient à tuer le père d'Agnès. Mais le changement le plus important, c'est le fait que Richard Mansfield joue à la fois le Dr. Jekyll et Mr. Hyde et établit par là même une tradition toujours d'actualité quant à la présentation de l'histoire. Dans le livre, pourtant, Mr. Hyde est plus petit et plus jeune que Jekyll. C'est un être différent qui vient de l'intérieur du docteur. Mais dans la pièce, c'est la même personne. Et Mansfield essaie de varier son jeu en faisant de Jekyll un vrai saint et de Hyde un vrai monstre. Mais c'est la scène de la transformation qui fascine tout le monde. À la vue de tous, sans se cacher derrière un pilier, sans quitter la scène ni faire entrer une doublure, il se transforme du Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Mais comment diable fait-il? Tout d'abord, il se courbe légèrement, un peu comme un singe. Ensuite, ses doigts se transforment en griffes. Et sa voix devient plus gutturale. J'ai détruit mon âme. Un peu comme ça. Mais surtout, grâce à l'éclairage et au maquillage, il modifie complètement la structure de son visage. Les lumières changent peu à peu et créent des effets spéciaux sur le maquillage. C'est aussi simple que ça. Le plus difficile, c'était de savoir si le régisseur avait fait correctement son travail. Mansfield, lui, ne savait pas plus que je ne le sais, si la transformation avait fonctionné. Tout ce qu'il pouvait faire, disait-il, c'était regarder le public. Et s'il voyait des gens s'évanouir, il savait que la transformation était réussie. Do you want your eyes and your soul to be blasted by a sight that would stagger the devil himself? I'm not to be persuaded by this rigmarole. Very well, then.
Le public s'est maintenant forgé une image bien précise du docteur se transformant en bête, et de la bête en docteur. Au moment même où cette transformation a lieu, le jeune Sigmund Freud étudie l'hypnose et l'hystérie comme moyen d'atteindre l'être intérieur. Et la nouvelle science, la pathologie sexuelle, commence à faire parler d'elle. Inévitablement, certains vont rapprocher les deux événements. Edward, 6 o'clock. It's time you left me. Dr. Jekyll et Mr. Hyde est, d'après son auteur, l'histoire d'un être divisé, d'un dédoublement et d'un cœur plein de noirceur. En réalité, que Stevenson l'admette ou non publiquement, c'est de toute son œuvre l'histoire qui contient la vision la plus adulte de la sexualité. Cela explique en partie les innombrables interprétations qui en ont été faites. Récemment, les critiques ont écrit qu'il parlait en réalité soit des relations père-fils, soit de l'homosexualité refoulée, soit d'une peur ou d'une haine de la femme, ou encore d'un conflit entre le conscient et l'inconscient. Ou encore peut-être de la double personnalité de Stevenson lui-même, entre l'homme d'action dans son esprit et l'artiste handicapé qu'il voit dans son miroir. À l'époque, Hyde était interprété plus comme un singe ou un homme-loup, une sorte de retour en arrière vers l'état animal, ou une étape antérieure de l'évolution, théorie mise en valeur par Darwin. Le problème, c'était qu'en tant qu'homme loup, il n'agissait pas vraiment comme un loup, et même s'il représentait la bête qui existe en tout homme, il n'était pas très bestial. C'est une série d'événements qui se déroula dans l'Est londonien à l'automne 1888 qui fit de Dr. Jekyll et Mr. Hyde un roman recherché par le public. Try a change of luck, dearie. Entre le 31 août et le 9 novembre, en 10 semaines seulement, 5 femmes sans emploi, s'adonnant à la prostitution, furent assassinées et cruellement mutilées par un tueur inconnu, surnommé par les journaux Jack l'Éventreur, dans le quartier de Whitechapel. Malgré tous les efforts de la police londonienne, il ne fut jamais arrêté. Mais un portrait de la personnalité du tueur en série commença à se dessiner. Il fut suggéré que l'éventreur était sans doute un médecin qui était obsédé par le désir de tuer les prostituées. C'était de loin l'explication la plus populaire en 1888 et qui semblait coïncider avec l'affaire, surtout parce que le livre et la pièce sur Jekyll et Hyde avaient fourni un modèle sur mesure. Un modèle qui expliquait l'inexplicable. Le premier meurtre de Jack l'Éventreur a lieu à la fin du mois d'août 1888 dans l'Est londonien. À ce moment-là, la pièce de Mansfield marche très bien dans l'Ouest et le roman de Stevenson est en vente dans les librairies. Les meurtres se produisent également à une époque où la profession médicale a particulièrement mauvaise presse. On l'accuse ça et là d'extrême cruauté et d'autoritarisme, et certains chirurgiens profitent, semble-t-il, de femmes vulnérables sous les yeux des étudiants en médecine. Dans l'esprit du public, les meurtres de Whitechapel et l'histoire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde finissent par se confondre. Une personne écrit à la police en suggérant que l'acteur Richard Mansfield est certainement le suspect numéro un, car sa transformation et son interprétation exaltée sont particulièrement convaincantes. Une autre suggère plus sérieusement que le roman a pu au départ donner des idées à l'éventreur.
Richard Mansfield, grand seigneur, répond en arrêtant la pièce. Sa dernière représentation va au bénéfice de la Fondation de l'évêque de Londres dans le but de construire une blanchisserie et de créer ainsi des emplois pour les sans-abri de l'Est londonien. Sur scène, le soir de la dernière, il déclare « Il y a assez d'horreur dans les rues ». For your own sake, Langan. Do you want to live on as you have? Or do you want to have your safe peace? Your reason even blasted by a sight that would shock the lowest fiend in the inferno. Dans le roman, Mr. Hyde n'est pas un criminel sexuel. Comme le docteur, il ne se mélange pas aux femmes. Il est tout simplement démoniaque et vit à Soho, dans le West End de Londres. Mais dorénavant, tout cela va changer. Dans toutes les adaptations ultérieures, Mr. Hyde devient un criminel sexuel. Hyde, l'éventreur, un tueur de prostituées et un démon qui hante les quartiers brumeux de l'Est de Londres. You come with me. Du coup, l'atmosphère d'Édimbourg du roman original disparaît et la bête en l'homme devient une étude de cas sordide de la nouvelle science, la pathologie sexuelle. Dr. Jekyll et Mr. Hyde est revu et corrigé pour répondre aux attentes les plus noires du public. Au cours de ce processus, une crainte et même une peur des femmes apparaît. Et Jekyll devient Jekyll, la prononciation du film. There. There he is. There's your man. À ce moment-là, l'auteur a littéralement perdu le contrôle de son histoire. L'expérience est irréversible. En revanche, parmi les critiques littéraires, le roman demeurait un simple conte moral. Et le fils indiscipliné d'Édimbourg, qui avait quitté la ville, eut soudain droit à tous les honneurs. Mais une question se posait. Quelle image de Stevenson trouverait-on dans les livres d'histoire? Dr. Jekyll ou Mr. Hyde? Quand les bourgeois d'Édimbourg décidèrent d'ériger un monument au génie de Robert Louis Stevenson, environ 10 ans après sa mort, c'était qu'ils l'avaient presque pardonné. Ici, dans cette cathédrale Saint Giles, imposante mais quelque peu lugubre, ils commandèrent une énorme sculpture en bronze, celle d'un artiste saint en train de souffrir noblement et stoïquement pour son art, selon la mode de l'époque. Elle nous montre Stevenson allongé dans une chaise longue, soutenu par un oreiller, couvert d'un édredon à franges. Il tient des papiers dans sa main gauche, une plume dans la droite, et semble sur le point de produire un autre chef-d'œuvre. Cette sculpture s'inspire en fait d'une précédente sculpture ou médaillon réalisée alors qu'il était alité, après avoir été accueilli comme un héros à New York environ 18 mois après la publication du cas étrange du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dans la version originale, qu'il accompagnait partout où il allait, il était assis dans son lit, recouvert d'une couverture, des papiers dans sa main gauche et une cigarette dans la main droite. La posture dans laquelle il recevait ses visiteurs. Pour la cathédrale, le lit est devenu une chaise longue, l'édredon a des franges, Stevenson a perdu quelques kilos et il tient une plume. Les artistes qui entrent au Panthéon n'ont bien entendu pas le droit de fumer au lit. Et donc cet homme, qui disait ne pas pouvoir écrire une seule ligne sans cigarette, malgré l'état de ses poumons, cet homme qui savait si bien les rouler, à tel point qu'on disait qu'il pouvait faire des roulées aussi fines que ses bras, c'est-à-dire vraiment minces, cet homme était enfin devenu respectable. Une version plus pâle du docteur Henry Jekyll.
En réalité, il ressemblait plus à Edward Hyde. Mais qui s'en douterait en regardant ce mémorial? Le problème du culte de Robert Louis Stevenson, alimenté par sa femme Fanny, la plupart de ses amis et connaissances et quelques critiques, c'est qu'il a finalement nui à sa réputation. Quand on vous rebat constamment les oreilles dès la maternelle avec la version officielle de la vie et l'œuvre de Stevenson, et surtout de sa vie, on finit par en être dégoûté. Et dans une certaine mesure, Stevenson ne s'est jamais remis de cela. Jekyll sans Hyde est trop pur, trop propre, trop sentimental pour qu'on le prenne au sérieux. Comme Stevenson le dit à propos d'un de ses personnages, sentimental à peu près autant qu'une cornemuse. Robert Louis Stevenson passe ses dernières années à naviguer sur les mers du Sud avec sa mère, sa femme et son beau-fils pour s'installer finalement à Samoa. C'est l'image que sa famille et ses disciples aimaient donner, l'aventurier au pays des pirates et des pièces espagnoles. L'île au trésor et ses jardins de poèmes enfantins étaient selon eux ses plus grandes œuvres et son lait à la postérité. Fin 1894, Robert Louis Stevenson meurt sur l'île de Samoa, non pas de problèmes pulmonaires mais de surmenage. Il a 44 ans. Il est enterré sous cette simple pierre blanche. Un de ses derniers écrits raconte ses souvenirs d'enfance en Écosse, les cauchemars de gnomes et de croque-mitaines qu'il faisait dans sa chambre de Heriot Row. Le nom du gnome est Jekyll et Hyde. Je pense que vous verrez qu'il est également disposé à répondre au nom de Stevenson.